Bonjour, je m'appelle Mathieu Janin et j'ai envie de partager ma pensée socialnomique du jour avec vous. Sans Facebook, le web serait en décroissance aujourd'hui. Nous lisons tous les mêmes statistiques décrivant le fulgurant essor du web social. L'utilisation de la vidéo en ligne explose puisqu'elle augmente de 45% cette année. J'en suis moi-même co-responsable puisque je diffuse cette rubrique également sous forme de vidéo en ligne depuis quelques semaines. Le web devient de plus en plus mobile, plus 28% l'an dernier, et nous passons de plus en plus de temps sur Internet. Du moins, c'est ce que l'on croit. Pourtant, le web social n'est pas tout. Qu'en est-il des autres utilisations d'Internet? En regardant ce billet et en visualisant le graphique qui se trouve sur cette page web, eh bien, ce graphique démontre que Facebook croît de façon inversement proportionnelle au reste du web. Du moins aux USA, mais certainement également dans le reste du monde. En excluant Facebook de ce graphique, on remarque que la consommation moyenne nord-américaine de minutes passées sur Internet a diminué de 9%, alors que celle de Facebook a augmenté de pratiquement 70% entre les mois de mars 2010 et mars 2011. Mais notre temps est compté, également sur Internet. Le web social cannibalise le web 1.0 et les moteurs de recherche. Les internautes sont donc en train de changer leurs habitudes. Ils passent plus de temps à interagir avec leurs amis en ligne que de rechercher de l'information publiée sur des sites internet tels que nous le pratiquions à l'ère du web 1.0. Ce changement sonnera-t-il bientôt le glas de Google, première puissance mondiale internet? Ce ne serait pas le premier géant des nouvelles technologies qui disparaîtraient aussi vite qu'il a monopolisé la recherche d'informations en ligne sur l'ensemble de la planète. Mais de moins en moins d'internautes accordent leur confiance à des robots, préférant les conseils de leurs semblables. Google devrait réfléchir à cela et socialiser davantage sa recherche avant de perdre ses parts de marché. Je vous souhaite une excellente journée.